Mais vas-tu te taire? Tu vois pas qu'il se concentre? Allez, respire à fond. Je ne vais pas y arriver, je te dis. Tu dis toujours ça, ne te démonte pas. Mais qu'est-ce qui m'a pris d'accepter ce rôle? Jamais vu un texte aussi casse-pattes. Je sais, mais toi t'as un crack, the number one. Ça va être une vraie boucherie, ouais. Ça va marcher. À ta place, je tournerai ma langue 7 fois dans ma bouche avant de parler. Et moi, je vais t'en coller une celui-là, enfin pas immédiatement. Wow, wow, ça va, pourquoi tu t'énerves? Je vais faire ce que tu veux qu'il ne fera pas la moindre faute de texte. On parie? C'est un tocard. Un tocard! Le talent, vous croyez que ça se trouve sous le sabot d'un cheval? J'y vais pas! Tu vas pas te dérober devant l'obstacle? Tu étais si parfait hier en répétition. Mais quand le rideau va se lever, je vais me retrouver les quatre fers en l'air. Dites au public ce que vous voudrez. Que j'ai une fièvre de cheval. Ou n'importe quoi. Je déclare forfait. Pas si vite! Comptez pas sur moi! Tu plaisantes? Non! Laisse parler la bête qui est en toi! Non! Tu vas brûler les planches, déclencher des torrents d'armes! Un tsunami émotionnel! Elles ont tout misé sur toi! Tu as du talent! Non! Qu'est-ce qu'on fait? J'ai bien une petite idée! À remettre deux cheval! Attrapez-le! Lâchez-moi! Dans un instant. C'est quoi? De l'homéopathie, rien que du naturel. Waouh! Allez, lève-toi. Comment te sens-tu? Ça va aller les filles, hein? Et maintenant, ça va chier! Le spectacle est aussi notre dada. C'était le groupe numéro 43 dans Levé de rideau. Le thème qu'ils avaient choisi, leur formation. Ils viennent des CFA des métiers de l'horticulture et du cheval dans le site de Maison Lafitte. Et eux aussi, ils sont nombreux. Ça doit être les bus qui sont garés devant. La mise en scène est de Thierry Charpiot. Ces jeunes personnes sont en CAPA soigneurs d'équidés dans leur CFA. Interprétés par Amel, Camille, Romane et Clara, que l'on peut encore applaudir.